Ok. Ok. Ah merde. J'ai pas entendu que le retour était en double, désolé. Nouvelle partie, on va jouer en novice, on va appeler la sauvegarde première fois. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Oh. Oh, il y a une DA très Nausicaa. Merde, je pensais pas que je devrais lire. Bonjour, je suis l'ancien du village, je suis responsable de des bonnes gens d'ici. Notre peuple, les Nomiens, a beaucoup voyagé à travers de nombreuses épreuves au fil des ans. Aujourd'hui, nous avons rencontré Ombu, un mastodonte des temps anciens, une espèce que l'on pensait éteinte depuis des siècles. Ça doit être un signe du destin. Sans doute en sommeil dans les profondeurs de la terre depuis très longtemps. Il a peut-être été réveillé par les toxines pénétrant de plus en plus profondément le sol. La pauvre créature semble épuisée, s'est rendormie pour l'instant. Je n'ai qu'une... fois que les ombus tirent les nutriments du sol, alors je me demande si ce ombu peut survivre ici. On doit prendre soin les uns des autres à partir de maintenant. Mon expérience a amené notre peuple ici. Il est temps pour nous de prendre le relais et de les conduire vers un endroit meilleur pour faciliter la transition. Vous pourrez vous renseigner un peu sur ce que je sais, être votre tuteur même, vous proposer un tutoriel, ainsi dire. Comment c'est-vous? Ah, attendez. On met pause. Alors, les tutoriels apparaissent ici. Alors, on a consulté le carnet de l'ancien. Comment ça, c'est quoi le carnet de l'ancien? C'est bar espace? Ah non. Attends, je comprends pas. C'est vrai qu'il y a un symbole, soit c'est une tache sur mon écran ou je sais pas. Ouvrez. Attendez. J'ai une rayure sur le filtre. Ouvrez-le à l'aide du bouton. Ok. Carnet de l'ancien. Essayez de survivre le plus longtemps possible. Pour ça, vous devrez loger, nourrir, vous la joie, étudier de nouvelles technologies, récolter les matériaux dans différents biomes. Ne pas non plus de prendre soin de Ombu. Votre compagnon géant. Si tous les villageois ou Ombu meurent, vous perdez. Alors je peux entrer dans la vue de Ombu. Ok. Et ça c'est la carte du monde. Donc lui il se déplace comme ça. Alors j'imagine qu'après peut-être que parfois faut... Ah genre faut envoyer des équipes. Construisez au moins 6 tentes. Et comment je sais où je dois construire? Ouais, c'est stylé en vrai. Genre, il y a des lieux particuliers? Faut les coller comme ça, je m'en bats les couilles.
Construisez mes villageois. Oh shit, j'en ai mis partout. Oh, j'en ai mis partout. Normalement, je reçois Splatoon 3 demain. Alors, attends. Consultants villageois sont sans abri. Construisez des autres tentes en abattant des arbres à proximité. Pour récolter, vérifier le besoin du vagin en cliquant sur l'indicateur de bonheur. Il est où l'indicateur de bonheur, c'est ça? Détail de la population. Où est-ce que j'ai le détail du bonheur? Ah, heureux. J'imagine qu'il y a des gens qui sont pas heureux. Oula. Sans abri. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, est-ce que j'ai construit mes centres trop tôt? Mais... Attends, mais ça coûte quoi en construire ça? Rien du tout. Ok. Ok. Il veut me dire quoi, là? Il est heureux.
Est-ce que je fais un dépôt de matériaux ici? Et ici, ils peuvent déposer tout. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, il manque du bois. Ah, il manque du bois. Ok, attendez. On va récolter du bois. Récolter du bois. Je trouve ça trop stylé en vrai. J'avais trop suivi le Kickstarter. C'est un des deux jeux que j'avais suivi en Kickstarter qui me donnait trop envie. Lui, il est content. Ils sont tous contents. Il y a des sans-abri ou pas? Ils ont l'air d'avoir tous une tente. Mais attends, mais ils sont 8? On va voir combien on a de mecs. 16. Et nombre de lits, 2. Ah, donc ça fait 2 par tente. Ok. Ah, construisez une ferme. Ah, j'imagine que... Mais attends, je comprends pas. Ah ouais, mais ma ferme, vaut mieux que je la construise dans un endroit... Mais c'est-à-dire faut que je coupe toute la forêt, genre, en vrai. Que je la mets loin, oh, ça me fait chier de la mettre loin. Après, je peux la mettre loin, genre me dire ok, ma ferme est là, tu vois. Et après, on peut se dire ok, chemin de terre jusqu'à la ferme. Une priorité 3 sur la ferme. Je crois que j'ai coupé trop d'arbres. J'ai peut-être fait des conneries là. Non mais en vrai il me faut des arbres. Après, ils peuvent aller dormir quand ils veulent, non? Ou c'est moi qui dois leur dire « Allez faire dodo ». Comment je fais? Attends, quoi?
Après, je trouve ça pas joli. Est-ce que j'essaye d'en faire un carré? Mais à ce moment-là, faudrait que je supprime ça, tu vois. Ok, je dois construire des puits aériens. Alors attendez, des puits aériens. Ah oui, genre des trucs qui fait tomber de l'eau. Mais ça, je m'en bats les couilles. Ah non, l'humidité du biome. Comment je fais ça? Dans la barre supérieure. Comment? D'accord. Travaillez là. Grogne de mécontence, soit-disant, arrache ses épines. Ah. Ah merde, je suis en train de le baiser là. Attends. Ouais. Lui pète pas ses épines. Allez, on va pas tout lui péter. Par contre, ça faut qu'il le récolte. Ah non, quoi? Pourquoi ils me construisent plus ma route? Construisez un garde-manger. Ok. On va faire un garde-manger ici. Est-ce que je peux les tourner les meubles? Vas-y, bah pète-moi ça, on va péter ça. Ah non, mais en vrai, j'ai rien dit. Parce que réservoir d'eau, autant que je le mette là, à côté. Construisez un centre de recherche. Oh, il a mis à bouger. Attends, mais on était là au début? Il est déjà là-bas? Et je vais avoir des nouveaux nomades. Ah oh ouais, non mais attends, mais c'est une dinguerie gros, le jeu, il joue sans moi pendant... Ah peut-être parce que je suis en accéléré aussi. Il a faim. Choisissez la prochaine recherche. Lorsque les deux recherches sont recommandées, ouvrez l'arbre de recherche pour choisir un format des options. Bah la cuisine, non?
Construisez un poste de travail. Vous avez... Attends, mais... Afficher l'arbre de recherche, cuisine. C'est quoi un peu... construire un poste de travail pour donner une spécificité à vos ouvriers. Ainsi, vous aurez toujours quelqu'un pour ces tâches, en plus de leur conférer un bonus d'efficacité. Les griffes, je vais te les baiser, hein. Je te dis direct, frérot, ça me casse les couilles. Hein. Là, on pourrait faire une autre ferme ici plus tard. Comment? Pom, popom, popom. Moi je te baise au Nobu. Ok, on commence à produire de la bouffe. Est-ce que l'efficacité elle baisse dans le temps? Genre non, je suis toujours à 71%. Mais est-ce que je peux planter? Genre ça se plante des baies? Genre ça serait cool quand même. Est-ce qu'il y a que la ferme qui peut planter? Température croissant 60%, glacial. Compost. Hein? On va récolter du bois encore. Bois. Production. Cette griffe là, j'ai envie de la baiser, frère. Après, je me dis, le champ, tu vois, il a grand... il n'utilise pas tout ce que j'ai fait, tu vois. Donc ça veut dire que... C'est stylé en vrai. Mais après, ah, je me dis en fait, peut-être va falloir que. Tu vois, peut-être les maisons, c'était pas une bonne idée de les mettre là, tu vois. Et j'aurais dû plus les mettre dans une zone aride. Peut-être à ce moment-là, plus m'étendre par là au niveau des maisons et envisager peut-être une autre ferme par là ou. À voir quoi. Un autre truc de récolte de baies ici. Envoyez au moins deux ouvriers en tant que transporteur à votre poste de travail. Attends, je peux pas les transporter, ne font que transporter les ressources, ce qu'une idée de construction ni récolte. Alors, il est préférable de... Ah, ok. Ah, d'accord, donc en fait, je peux dire... En fait, ça permet de te dire, ok, il y aura trois ouvriers, ils feront que ça. Mm-hmm. Construisez un menuisier, construire un tailleur de pierre. Alors... Attends. Tailleur de pierre. Est-ce que tailleur de pierre... Vaut mieux que je sois à côté des pierres, non?
Ou je m'en bats les couilles. Non, je me mets là. Mais... Température froide. Après, le problème, c'est comment il a 15% de vie. Comment on augmente la santé? Genre, il va mourir en fait. Ah, vous avez rencontré un petit groupe de nomades qui cherchent un nouveau foyer. Voulez-vous les accueillir? Oui. Plus 3 personnes en bonne santé rejoignent un village. Ah ouais. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je construise 2 maisons de plus. Ok. Par contre, c'est chaud, hein, parce que il faut quand même que ça récolte, quoi. Il manque de la pierre.
J'aime trop le principe. Après, le problème, c'est que en fait, t'es sur un jeu où t'es sur une extension finie. Donc, à part si tu peux opter ta construction à l'infini, en fait, vu que t'es déjà dans un monde fini, bah, t'es bloqué, en fait. C'est quoi ça, sanctuaire? Ok. Et donc là, en fait, si j'ai pas de corps, lui, il se déplace random, quoi. Ok. Oh, c'est stylé, en vrai. Le jeu est archi complet, en global. Et la DA est très très cool. Il manque très peu de pierres, donc on va prioriser si possible Bon, les gens sont plutôt contents au niveau de la population, capacité de logement 18, population totale 19. Médecin du village. Ah, je vais prendre plutôt un médecin du village. On va... Ah, j'avoue, c'était possible de ramener du bois. Ah, c'est bon, regardez, il construit. Il y en a un qui était parti. Ok, et là, normalement, ils vont être tous contents parce que productivité totale. Emploi inactif 12, emploi inactif sans emploi. Emploi avec emploi inactif 12. Ouvrier polyvalent 10, transporteur, constructeur, moissonneur. Ok. Attendez que la recherche de la cuisine soit terminée, construisez une cuisine. Ah, mais c'est bon. Attends, comment je construis ? Une cuisine. Ah bah rip cet arbre. C'est une bonne idée de mettre les menuisiers aussi loin. Oh, ça doit foutre la gerbe d'être sur un énorme truc qui se déplace en vrai. Regarde-les là. Oula, la bouffe diminue là. C'est quoi ça? Normal, froide. Au niveau de l'eau, on est bien ou pas? Production. Ok, ça va, la production est bonne. Champignons. C'est pas arrivé à maturité. Et eux aussi. J'appelle au récolteur. Allez me choper ces champignons. Il manque quoi? Il manque des dalles de pierre et des planches de bois. Inventaire 20. On est tranquille en bois. Inventaire 10. Est-ce que j'irai pas récolter de la pierre? Pour être sûr. J'ai l'impression qu'il dort jamais. Il se touche la nouille là. Tu te crois où là? Non, j'ai pas eu de bug moi. Ah,
La faim de Nobu va encore augmenter, la somnolence de Nobu. J'imagine que la somnolence, ça veut dire que il tombe dans les pommes au bout d'un moment. Mais comment je le nourris, ça c'est la dure question. Ah, oh, ça, il peut se nourrir de ça? Ok. Et là, je change de biome. Visuellement, ça va changer ou... Oh, ça serait stylé qu'il y ait un changement visuel. Après, s'il n'y a pas de changement visuel, je m'en fous un peu. Hein. Mais bon. Ça s'agrandit. Hein. On dirait des petits microbes sur le dos d'un... Il pourrait juste nous balayer sa mère. Bah. Bon, ça avance tranquillement. En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait deux paires par deux pierres. Donc là, j'en ai encore... deux et on sera tranquille. Et on a bientôt fini notre recherche suivante. Ah, la musique elle est trop bien quand ça fait. Somnolence, c'est dire quoi? C'est genre il tombe dans les pommes? Eh, ça fait peur le jeu quand tu mets des trucs comme ça. Hein. Cabane d'explorateur. Vas-y. J'ai très chaud d'en construire une. Quoi? Comment ça se fait que j'ai l'impression que ça a diminué? Une priorité absolue là. Ah oui, on change vraiment d'aspect de biome. Ça, c'est stylé. Ah, il nous manque juste des pierres. Hein. Hop là, il va chercher les petites dalles. Herboriste médecin du village. On va le foutre là. Attendez. Herboriste. Construire un herboriste, affecter des passerelles à votre herboriste, étudier le médecin du village, construire un médecin du village. Et bah tu sais quoi, je vais tout de suite construire un médecin du village et j'aimerais bien... Ah, il aurait fallu le poser... En fait ça... Est-ce que je peux... Ah, c'est pas pratique pour moi. Parce que à ce moment, médecin du village, tu vois, il faudrait que je le mette comme ça. Et hop là, comme ça.
Ok, tout raccord. On va valider. En fait, le problème, c'est que... il me faut les ressources. J'ai plus beaucoup de pierres, j'ai plus de bois non plus. Récolter un peu. Est-ce que j'irai pas récolter un peu de pierre là-haut aussi pour dire que. Ça fait un peu loin, mais c'est vrai que je pourrais aller chercher les pierres plutôt juste à côté. Il peut pas manger là ? Il faudrait qu'il mange. Hein. Ah si, il est en train de manger. Ok. Ah oui, en fait, il s'autogère naturellement, mais faut quand même le guider. En fait, on peut le guider, ce qui peut lui ruiner la santé, j'imagine. Genre en mode, va plutôt par là, frérot, et en fait, potentiellement, il aura pas de bouffe en allant par là, quoi. C'est le risque qu'on peut donner au mob, j'imagine. Ok. Bon, dalle de pierre, il est en train d'en construire. Normalement, j'ai les deux dernières, ce qui fait que j'aurais bien aimé faire un chemin. Est-ce que je grid pas en mode dégage-moi les deux parcelles rares et fais-moi un chemin. Voilà, pour que ce soit beau. On va mettre un petit chemin. Ah, construisez le chemin, là, les bolos. Et ça, j'aimerais bien le récolter. Hein. Quitte à ce qu'il soit pas content, là. Je te baise. Il va trembler, il va tuer tout le monde. Là on a 30 pierres, on est archi refait. Ah pardon, désactiver plantation de cactus. J'imagine que c'est important. Le médecin du village n'a rien tant qu'aucun de villageois n'est empoisonné. Désactivez-le pour le moment, sélectionné en cliquant sur l'icône cadenas. Ah oui, en fait, c'est tant que personne n'est empoisonné, ça sert à rien, quoi. Construire une tour d'ordonnée. Ok, on la construit là.
Bois et planches de bois. Ok. Ensuite, faut construire une cabane d'explorateur. Donc, j'imagine que cabane d'explorateur, pareil, le jeu va nous dire faut la mettre par là-bas. Donc, on va la mettre là. Ou sinon, je la mets là. Mais là, il y a la scierie, donc j'aimerais ne pas trop construire à côté si possible. Donc, on va la mettre là. Ah, encore une fois, mon bois, il part vite, hein. Regardez-les, là. Pas trop regarder sur la carte. Ok, on va par là. Il y a des nomades supplémentaires. Il y avait de la bouffe là-bas. Alors que là, on s'approche d'un désert. Ah non, on va par là. Ah, donc là, il pourra dormir sans être attaqué par la toxicité. Ok. Et là, il y a des... Nomade empoisonné, un gros nomade à recherche d'un nouveau foyer. Et eux, ils sont empoisonnés. Donc ça veut dire que il faudrait que je remette un soigneur. Est-ce que... Activer la plantation. Je comprends pas. Comment je plante... le bon aliment? J'en sais rien. Ah. Afficher les interactions. La pierre et le bois, ça se transforme en planche tranquillement, hein, donc on va attendre. Et dans pas longtemps, on va avoir des nouveaux, donc est-ce que je construis pas déjà des maisons? On va construire deux petites maisons. Juste pour tenir. Alors... Plus 1 personne empoisonnée. De... Ok, plus 2 personnes empoisonnées. À ce moment-là, est-ce que j'irai pas réactiver eux pour soigner les malades? Attends, ils ont tous mauvaise qualité alimentaire? Mais le problème, c'est que ma cuisine. C'est. Ah, mais ils font grâce au B. À ce moment, il me faudrait un autre. Béretier ou je sais pas quoi. Mais le problème, c'est que je peux pas planter de B. Là, tu peux pas planter de B. Non, bah non. Récolteur de B.
Ah, je perds en pourcentage, mais... Alors, envoyer... Ouvrir la carte. Ah, il s'est reposé ou pas? Oh, j'espère. Ok. Bon, ça se passe hein, pour l'instant. Après, au niveau de l'eau, faut que je fasse gaffe parce que si je vois que mon eau diminue, est-ce que ça vaut pas le coup que... Parce que j'ai l'impression de produire quand même beaucoup d'eau, mais j'ai peur que pendant la période compliquée, ça risque d'être compliqué, quoi. Attends, j'ai 24 capacités de logement pour 23. Ok. Et en vrai, il n'y a plus de malades. Des gens qui sont encore pas bien? Attends. Ah oui, lui il est mécontent de la qualité alimentaire. Je sais pas moi. Est-ce que je le laisse choisir? On va aller vers le nord, non? Parce que s'il y a l'équipe à côté. Il est parti où le menu des... Bougerai peut-être la griffe plus tard, t'as pas à lui faire du mal.
Comment j'augmente la confiance? Frère, j'ai été gentil avec toi, c'est abusé. J'ai juste coupé quelques épines. Péter la gueule, frère. Espèce de vieux chien galeux. Trois où là? Je suis un arbre, je gna gna gna. Baise. Tu m'obéis pas, je te coupe les vivres. Salope. Bois toxique. Augmente le. Fait apparaître des plantes toxiques sur le dos. Ah! Ah! Shit! Est-ce que à ce moment-là, faut que je cours? Genre, au moment où il l'a, je lui dis, mec, tape ton giga sprint de ce bâtard. Il y a une mine là-bas. Putain, la dingue. Ok, attendez. Est-ce qu'à ce moment-là, en vrai de vrai, là j'ai construit ça pour là le poteau. En vrai de vrai. Je vais faire une forme de champignon ici, quoi. D'envoyer une équipe, mais un gros secteur est rentré. Ils ont obtenu une connaissance. 10 de bois. Oula, Onobu s'est vidé les intestins. What the fuck? Ok. Il y a d'autres endroits qui ont été touchés par les plantes? Attendez. Une plink set. Oula, 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 oula. Je m'en bats les couilles de ce que vous faites tous, hein. C'est récolte de plantes à tout prix, là. La mer noire. Oh putain. J'en vois pas d'autres, hein. Je vois que des contaminations où j'ai cliqué.
Et le problème, c'est que... quand il va dormir random, là, ça va être la mort, quoi. Ah ouais, là, il dort. Et ne se fie pas à mes ordres, frère. Nique ta mère. What the fuck, c'est grand de fou et en vrai une catapulte. Péter le dos. Ah mais... Non. Oh putain, mais pourquoi ils sont pas venus ici, ces fils de pute ? Ça va se reprendre sur tout le nord. C'est une priorité, c'est une putain de priorité. Ah ouais, non mais attends. Y'a qui travaille là, qui devrait pas travailler. Allez, allez faire d'autres trucs vous là, bande de fils de pute. Oh, vais vers le sud, je vais te péter la gueule. C'est la merde. C'est la merde, les amis. C'est la merde de ouf. C'est en train de se répandre comme la peste. Il n'y a pas un mec qui est là pour tout brûler. J'ai trop besoin de les soigner parce qu'ils se... ils se baisent en fait. Dis-moi qu'il avait hors sud. De pute. Oh, je sais pour qui se fie à moi.
Ah, je peux les brûler. Non, je peux pas. J'ai pas encore appris la brûlure. Les hommes de Cro-Magnon savent peut-être pas. Et ne semble pas être. Je te jure, je vais l'enculer. Je te dis d'aller au sud depuis 20 minutes. Mais mange tes morts. Il a niqué tout. Oh putain. Bon, ça semble pas se répandre plus que ça. Ouah, comment c'est la merde tout de suite quand il t'obéit pas. Ok. Bon, il a mangé, il est clean. J'ai des nomades sur le chemin. Oh, ça fait plaisir. Par contre, on va rentrer en plein désert et là, c'est la merde noire. Parce que là, là, les gars, regardez mon inventaire au niveau low. Ah, mais stockage plein. Y'a plus personne qui bosse au stockage. Oh ah ouais, ils sont tous là à s'occuper des plantes qui se propagent sa mère là. J'sais même pas quoi en faire. Quand c'est toxique, tu t'en fais quoi du truc? Genre parce que. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Je retenterai une partie parce que ma partie est trop partie en couille trop vite. Je vois que j'ai fait plein d'erreurs sur le positionnement parce que j'ai l'impression que ça, faut laisser de la place pour les carrières. Au niveau de mes champs, le fait qu'il faut laisser de la place pour les champs et que j'aurais pas dû faire mes maisons là, mais peut-être les viser un peu autre part. Je vois que j'ai fait plein d'erreurs et j'aimerais bien refaire une partie un peu mieux. Ou sinon on continuera celle-là, mais pff, là en vrai la contamination c'est parti en couille de ouf. Je vais sauvegarder. Franchement, le jeu est archi quali. Genre vraiment il est trop trop bien. C'est abusé pour un jeu qui est entre guillemets encore en early access, qui vient d'un Kickstarter et tout. Franchement, rien à redire.
On est sur... désolé, on est sur du bon jeu. En plus, il y a un autre gestion... Ah non, c'est un MMORPG, j'ai cru que c'était un jeu de gestion. My bad. Il y a ce jeu de mode collection qui est sorti, c'est une dinguerie. Modern Warfare 2 qui va sortir aussi. Il m'intéresse objectivement pas du tout. FC7 Remake qui est en promo. Et qui est encore beaucoup trop cher et j'aimerais bien faire d'autres FF avant. Les répliquants est en promo, Tekken 7 aussi, MDR, parce qu'il y a Tekken 8 qui sort. Attendez deux secondes. Pas rien. Ah ouais. Il y a une promo sur Tiny Build et elle est objectivement pas incroyable. Ok. Excusez-moi. Je voulais juste regarder Octopath Traveler si ça valait vraiment le coup ou pas sur PC par rapport à la Switch, mais en fait pas vraiment. Parce que je l'ai déjà sur Switch, je me suis dit que je le rachète sur PC vu qu'il est en promo. Ouais. D'ailleurs je me pose la question et je pense que je prendrais peut-être le 2 plus sur Switch. Parce que c'est plus logique. Effectivement, Splatoon 3, il est on va le recevoir. En fait, j'aimerais bien. Je me suis pas. En fait, il y a des jeux que je vais pas me les acheter parce que je sais que je vais plutôt attendre. Même si j'ai très envie de les avoir parce que je les aurai au bout d'un moment. Bon. Bon, je pense que ce soir, bon, il est 2h45, je vais pas vous mentir que je vais aller me coucher. Il y a The Hunter qu'on va un peu jouer avec Mamba. Et ça me plairait pas du tout d'en faire un petit peu avec Mamba.
Donc il y a un monde effectivement où on ira sur The Hunter. Tranquillement. Ok. Ok, ok, ok. Bon. La musique me met trop, trop bien. Donc, demain, il y a un monde où on continue Xenoblade Chronicle. Jeu qu'on avait commencé et qu'il faut qu'on finisse. En tout cas, le 1. On avance dessus. Ou on joue à un autre jeu. Parce que j'aimerais bien reprendre Tunic. Je l'avais déjà dit, ça. Donc, il y a un monde aussi où on pouvait reprendre Tunic. Donc effectivement Tunic c'est pas impossible. Death Door on va continuer aussi, hein, vous inquiétez pas. Effectivement il y a At In Time aussi qu'il faut qu'on continue, mais At In Time c'est que du bonheur le cœur, tu vois, genre quand j'y joue je suis trop bien. Rainbow qu'il faut qu'on termine, et à ce moment on ira sur Little Miss Fortune. Donc on fera ça tranquillement. Ok. Bon, je regardais vite fait. Je regardais vite fait Galaxy Life. C'est vrai qu'At In Time, il faudra qu'on progresse. Surtout qu'en vrai, j'ai un autre jeu qu'il faudrait que je teste.
Parce que j'ai Tunch. Et dedans, il y a At In Time. J'ai pas trop compris pourquoi, donc j'ai bien envie de savoir pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai Breeze Edge aussi. J'ai été chargé parce que je me suis dit que ce serait intéressant de le montrer. Donc voilà. Allez, on va quitter le jeu. Je vais lancer Temtem vite fait. Et ça, c'est pour moi. Allez, des bisous. Merde. Ah d'ailleurs, Temtem très déçu parce que j'ai pas compris qu'est-ce qu'on avait pour avoir acheté le jeu de base en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait une deluxe édition. Mais pour les gens qui ont acheté le jeu de base, on a quoi exactement ? Aucune info de ça. Parce que, en gros, en fait, là, au niveau des ensembles, si j'ai bien compris, ok. Ok. Ah, j'imagine que... Et en fait, là, avec la boutique, t'as... Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, t'as du housing et t'as la danse du chimpanzé. Et c'est quoi ça ? 1000. Ok. Ça me fume toujours la démarche. Bon, allez, des bisous.